Est-ce qu'un enfant de BCK peut louer le Seigneur? Gloire à Jésus. Alors, ce soir, nous sommes réunis pour pouvoir glorifier le nom de Jésus. Et tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, manifeste ta gloire. Seigneur Jésus, manifeste ta bonté. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi ce soir. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, ce soir, le thème qui nous réunit, c'est annuler la voix du jour de ta naissance ou du jour de ma naissance. Et je voudrais parler ce soir à partir des trois passages que nous avons reçus. Le premier passage est celui du livre de Job. Et la Bible dit dans le livre de Job que l'Éternel va regarder Job. Et l'Éternel va dire, Job est un fidèle serviteur, alors je vais le lever. Et Satan va dire à Dieu, c'est parce que Job a tout ce qu'il a qu'il est en train de te servir. Nous connaissons tous l'histoire. Et la Bible va dire, Job va passer par le temps de l'épreuve. L'Éternel va dire à Satan, tu peux toucher à tous ses biens, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Mais pour pouvoir avoir accès à la vie de Job, Satan devait pouvoir marcher dans les règles. En un mot, il y a des mystères spirituels par lesquels il devait rentrer. Alors Job va remarquer qu'il va perdre ses enfants, il va perdre ses biens, il va perdre tout ce qu'il a. À tel signe que son corps sera rempli de plaies. Job ne comprend pas comment moi qui suis monté, comment moi qui ai tout fait pour arriver à ce sommet, comment je peux descendre. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent pas comment de fois et comment leur vie a pu basculer. Comment ce foyer a pu basculer. Comment ta vie a pu basculer. Ce soir, l'Éternel vient par ce message afin de pouvoir te donner la réponse. Et dans Job chapitre 3, l'Éternel va se révéler à Job. Et Job va dire quelque chose qui va éveiller notre esprit. Job maudit le jour de sa naissance. Il a compris que Satan a eu accès à sa vie à partir du jour de sa naissance. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé le jour de ta naissance. Le livre de Somme dit, la nuit est capable de parler. Le jour est capable de parler. Ils peuvent instruire un autre jour. Et la Bible dit, lorsque tu regardes les jours, il y a un jour qui parle à un autre jour. C'est pourquoi ta vie continue à tourner en rond. En un mot, si jamais tu te lèves le lundi et que tu n'as pas pu arrêter la mauvaise parole du jour et que cette parole-là a pu être transmise au mardi, ta vie va tourner en rond toute ta vie parce que tu n'as pas le secret d'annulation de la voix du jour de ta naissance. C'est pourquoi nous crions à devançant l'aurore. C'est pourquoi nous chantons à devançant l'aurore. C'est pourquoi nous glorifions Dieu à devançant l'aurore. Parce que nous voulons annuler toutes sortes de voix. Toutes sortes de voix diaboliques. De voix maléfiques. De toutes sortes de manipulations sataniques. Qui a été envoyée pour pouvoir nous détruire. Et pendant que je parle à quelqu'un, je déclare sur ta vie ce soir, aussi vrai que Dieu m'a appelé, je déclare sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, l'Éternel annule toutes sortes de paroles qui a été libérée le jour de ta naissance. Je déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute parole qui a été prononcée, toute action qui a été faite de façon mystique et diabolique qui rattrape ta vie aujourd'hui, que cette chose-là soit annulée au nom de Jésus, quel que soit l'endroit où tu es, dit Amen. Et maintenant, Dieu va nous ramener dans le livre de Genèse. Je place les fondations du message. Dans le livre de Genèse, Dieu nous dit que il y a quelque chose qui a été fait le quatrième jour. Le quatrième jour, l'Éternel va créer ce qu'on appelle des luminaires. Il va créer le grand qu'on appelle le soleil, le petit qu'on appelle la lune. Il va créer les étoiles. Mais voilà ce qu'il dit. Il dit, j'ai créé ces choses afin qu'elles puissent marquer les jours, les époques et les années. Donc, on parle de marquer comme un cachet. On dit pour que ces jours-là, ces astres-là, le soleil, la lune et les étoiles puissent marquer, puissent toucher,
puisse marquer, tamponner, laisser une trace sur les mois, sur les années, sur les époques. Je veux dire à quelqu'un, on peut marquer ta vie. Je peux dire à quelqu'un, on peut marquer ta semaine. Je peux dire à quelqu'un, on peut marquer ton année avec le soleil, avec la lune, parler au jour, afin que ta vie devienne un désastre. Il y a des personnes qui se lèvent et qui se demandent, mais pourquoi leur vie n'avance pas? Mais lis la Bible dit, le soleil ne te frappera pas, le soleil ne te frappera pas. En un mot, le soleil a la capacité de frapper quelqu'un. Il y a quelqu'un, c'est le soleil qui te combat. Le jour qui s'est levé te combat. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une instruction d'un autre jour. Depuis le jour de ta naissance, tu n'as jamais eu de bonheur. Depuis le jour de ta naissance, tu n'as jamais eu de gloire. Depuis le jour de ta naissance, tu n'as jamais été heureux. Tu as comme l'impression que tout ce que les gens font et qu'ils réussissent dans ta main se détruit. Qui a parlé le jour de ta naissance? Qui a parlé le jour de ta naissance? Qui a dit quelque chose de diabolique le jour de ta naissance? Parce qu'il y a quelqu'un ce soir qui doit réussir son année. Chaque fois, les gens te disent bonne année. Chaque fois, les gens te disent tu es béni. Chaque fois, les gens disent tu es né pour briller, mais tu ne brilles jamais. Tu ne brilles jamais. Tu ne vas jamais en avant. Tu n'es jamais dans les hauteurs. Mais tout le monde est d'accord de ton talent. Tout le monde est d'accord par rapport à ta connaissance. Mais pourquoi tu n'avances pas? Parce que le jour t'a maudit. Quel est le jour dont je parle? Le jour de ta naissance. Et ce soir, je veux dire à quelqu'un qui se pose la question, mais comment on peut maudire mon jour? Comment le jour de ma naissance peut jouer en ma défaveur? C'est alors que je vais te parler d'abord du nom. Le nom, on peut utiliser le nom. Quand tu es né, le jour là, qui t'a donné le nom que tu portes? Est-ce que le nom que tu portes ne t'a pas été donné pour bloquer ta vie? On peut utiliser effectivement des amulettes. Quand je parle d'amulettes, ce sont les choses qu'on peut mettre à terrain. Des choses qu'on peut mettre aussi, si tu veux bien, à tes pieds. On peut mettre sur ta tête. Ce sont comme des cordes. Tu ne sais pas, tu es né, tu es encore bébé. Et le jour de ta naissance, quelqu'un quitte là-bas. Une tante ou un oncle, quelqu'un de ta famille, dans la mouvance de la naissance, vient et attache ta main avec une corde. Attache ton pied avec une corde. Il y a des enfants qui ont des cordes aux reins, des enfants qui ont des cordes aux pieds, des enfants qui ont des cordes sous la main. Mais on ne sait pas d'où ça vient, frère. Mais je te rappelle une chose. Fais attention à la hanche. Parce que de la hanche sort les enfants. Quand la Bible parle de l'enfantement, on dit les enfants étaient encore dans son rein. La hanche est quelque chose de très, 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 très importante dans l'œuvre spirituelle. Dans le monde spirituel, on ne joue pas avec la hanche. Ne laisse pas n'importe qui attacher des banderoles, attacher des cordes autour des reins de tes enfants. On prie que cela ne puisse pas t'arriver. Je prie pour que cela ne puisse pas t'atteindre ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des choses que tu dois comprendre. Ta vie ira à un autre niveau le jour où tu auras compris certaines choses. C'est la connaissance que tu reçois qui t'a franchi. Ce soir, sois affranchi. La saison la plus difficile de ta vie, c'est pas celle que tu vis maintenant. La saison la plus difficile de ta vie est la saison de ta naissance. Le jour où tu es né, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où tu es né, qui a fait quoi et qui a dit quoi? Et aujourd'hui, même étant chrétien, nous minimisons ce genre de choses. Lorsque tu dois accoucher, il y a toujours un parent à côté. Je bénis le Seigneur. Mais pourquoi nous pensons toujours que nous devons ressembler aux autres? Pourtant, notre vie est en Jésus-Christ. Tu accouches ton enfant. Et comme c'est la mode, il faut qu'une tante vienne laver l'enfant. Et tu es surprise le matin quand tu lèves ton enfant à une corde rouge au rein. Et tu dis, mais qu'est-ce que c'est? On dit non, on met ça aux enfants pour que. Ça, c'est l'explication qu'on te donne. Mais tu es un enfant de Dieu. Ne sais-tu pas qu'on peut voler la gloire de ton enfant? Des enfants ont eu des choses attachées aux reins. Et plus tard, des problèmes d'enfantement. On parle de stérilité. Il y a des choses que Dieu nous a données, mais qu'on nous a volées à notre naissance. Je dis toujours, 99% des enfants qui viennent au monde viennent toujours les poings fermés. Parce qu'ils savent que l'Éternel leur a donné quelque chose pour réussir sur la terre. Mais il y a des gens qui
qui ont remarqué ton bonheur, qui ont remarqué ta grâce. L'étoile ne brille pas quand tu grandis. L'étoile brille depuis que tu es bébé. Rappelez-vous, l'étoile de Jésus n'a pas brillé quand il avait 33 ans. C'est quand il est né, le jour de sa naissance, son étoile brillait déjà. Quand tu nais, les gens voient ton étoile. Les gens savent ce que tu vas devenir. Les mages sont venus adorer Jésus. En Matthieu chapitre 2, les mages ont dit, nous sommes venus adorer le roi. Mais qui vous a dit qu'il était roi? Qui vous l'a dit? Parce que vous avez des yeux mystiques, des yeux spirituels. Vous avez pu concevoir et comprendre le mystère qui accompagne l'avenir de cet enfant. Mais laisse-moi te dire que si des gens ont pu percevoir et percer, comprendre que Jésus-Christ était le roi, ils peuvent savoir ce que toi tu peux devenir. C'est pourquoi la naissance, le jour de ta naissance, est un jour qui a beaucoup à voir avec tout ce que tu vis. Alléluia. Et la Bible dit, le jour en instruit un autre. Qu'est-ce que la personne a dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont versé? Aujourd'hui, lorsqu'ils ont donné dos, le jour là a parlé de ça à un autre jour. C'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire quoi? Lundi parle à mardi. Quand mercredi vient, mardi dit à mercredi, cette femme-là, elle ne doit jamais se marier. Mercredi accepte. Et pendant que lui il est là, toi tu ne te maries pas. Et mercredi dit à jeudi, cette femme-là, elle ne doit jamais se marier. En un mot, la malédiction est un cycle. Si tu ne brises pas ce cycle, ça va t'avoir et même avoir tes enfants plus tard. Sois libéré ce soir au nom de Jésus. Sois délivré ce soir au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de communiquer la vie par ce message, la gloire de Dieu te bénit. Combien d'enfants, regardez souvent, je dis, c'est quand même bizarre. Ne sommes pas, nous Africains par exemple, parce que je suis Africain, nous les Africains de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Congo, du Cameroun, de partout sur le continent africain, on a des pratiques. Mais ces pratiques-là, pourtant, certaines ne sont pas observées quelque part d'autres. Mais les enfants sont des enfants qui réussissent. Pourquoi le diable nous fait croire que c'est lorsque tu attacheras une corde rouge sur le bras de ton enfant qui sera protégé? C'est Jésus qui protège. Pourquoi on te fait croire que lorsqu'on va attacher une corde rouge sur le pied de ton enfant avec une boule, c'est là qu'il va réussir? C'est Jésus qui fait réussir. Tu as oublié que la main cherche à maintenir. La main vient du mot manus. La main vient du mot manus qui signifie maintenir. Aujourd'hui, tu as grandi. Tu attrapes des bénédictions. Tu saisis des bénédictions. Tu les vois passer, mais tu n'arrives pas à les maintenir. Ta prière, c'est papa, je touche beaucoup d'argent. Papa, j'ai beaucoup de possibilités. Papa, j'ai beaucoup d'opportunités, mais je n'arrive pas à saisir. Mais si ta main déjà à ton enfance, le jour de ta naissance, quelqu'un, on ne sait même plus c'est qui, a attaché une corde sur ton bras qui doit t'aider à maintenir, que vas-tu faire? C'est pourquoi la Bible dit, si les fondements, ça veut dire le jour du commencement, si les fondements, le départ est raté, le juste que fera-t-il? Qui Dieu appelle le juste? Dieu appelle le juste, toi et moi, nous qui croyons en son nom. Mais on dit même le juste, il ne pourra rien faire. Si jamais il ne comprend pas que c'est un problème de fondement, le premier jour de la naissance, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tu laisses les gens toucher la fontanelle de ton enfant? Qui a touché ta fontanelle? La partie la plus faible de l'homme quand il naît, c'est la fontanelle. Là où se retrouve l'étoile de l'homme quand il naît, c'est la fontanelle. Là où on peut lire la destinée de l'homme, c'est la fontanelle. J'ai vu dans mon ministère une femme voler la gloire d'une personne, d'un enfant, en soufflant sur sa tête, sur la fontanelle. Comme ça. Et on dit, c'est pour faire dormir l'enfant. C'est la seule partie où on peut souffler. Éparpiller la grâce des gens.
éparpiller le bonheur des gens, éparpiller la gloire des gens, éparpiller le mariage des gens. On souffle sur ton mariage, on souffle sur ton étoile, on souffle sur toi. Et toi tu dis, on est en train de faire dormir mon enfant. Oui, le fait dormir à jamais, fait dormir sa destinée. Sors de ces choses. Et que cet enseignement ce soir te protège. Ne laisse pas n'importe qui toucher ton enfant. Toi aujourd'hui tu as la parole, tu seras libéré, mais tu as le devoir d'empêcher que de telles choses se répètent dans ta famille. À partir de ce soir, je dis à quelqu'un, la main de Dieu retourne dans l'utérus du temps. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, retourne au jour de ta naissance et il brise la voix qui a parlé contre toi. Il brise la voix qui a parlé contre toi. Aujourd'hui tu souffres, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a aucun ennemi, mais ils n'ont pas besoin d'être à tes côtés. S'ils ont déjà parlé au jour de ta naissance, le jour va se charger d'instruire un autre jour. Et la Bible dit, c'est une voix qu'on entend partout dans la terre. Des gens ont dit, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'ai quitté mon Afrique natale, je suis allé me chercher en Europe, mais les mêmes problèmes me poursuivent. Parce que le jour ne parle pas seulement qu'au Gabon, la nuit ne parle pas seulement qu'au Gabon, le jour ne parle pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, le jour ne parle pas seulement que quelque part, il parle et sa voix retentit dans toute la terre. Quel que soit le lieu où tu iras te cacher, quel que soit le lieu où tu penseras aller te chercher, les mêmes problèmes vont ressurgir, les mêmes situations vont ressurgir. Pourquoi? Parce que simplement tu n'as pas compris que c'est une chose spirituelle que tu dois briser. Jésus. Alors, c'est un message qu'on ne peut pas prêcher sur une seule soirée, même sur deux, même sur trois. Je suis en train d'écrire un livre. Et je pense que lorsqu'on viendra à Devançons l'Europe, tous ces livres pourront être là. Le livre sur le nom, ça va te permettre de comprendre, bien sûr, le livre sur les sept démons des jours. Et je vais les citer tout à l'heure. Ça te permettra aussi de comprendre les 12 généraux de Satan, qui sont en fait les 12 signes du zodiaque. Ce que tu appelles scorpion, balance, sagittaire, bélier, ce sont des esprits méchants qui règnent avec le diable. Alors, pourquoi le jour peut parler? Comment le jour arrive à parler? Puisque la Bible dit que ce n'est pas un son qu'on n'entend pas, on entend. Donc, qui parle? Alors j'ai compris que le jour que nous connaissons, ils sont au nombre de sept. Lorsqu'ils se répètent, ils forment des mois. Lorsqu'ils se multiplient, ils deviennent des années. Mais tu retrouveras dans chaque mois, dans chaque année, dans chaque semaine, un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, un samedi et un dimanche. Si tu as quelque chose pour noter, commence à récupérer ça pour noter, parce que tu sauras désormais ce que chaque jour signifie. Il y a des personnes qui vont jusqu'à donner le nom d'un jour à leurs enfants. Je ne sais pas si chez vous ça se fait, mais chez nous au niveau de la Côte d'Ivoire, ça se fait. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on voit des personnes qui nomment leurs enfants à partir des noms des jours. Et quand vous regardez la vie de l'enfant, vous voyez que le symbole du jour qu'ils ont pris pour donner comme nom a un impact négatif. Alors écoute-moi ce soir. Lundi n'est pas le premier jour de la semaine. Matthieu chapitre 28 verset 1. Parce que quand je dis ça, beaucoup de gens disent, mais qu'est-ce que papa dit encore? J'ai dit, lundi n'est pas le premier jour de la semaine. Matthieu 28 verset 1. Après le sabbat. Après le sabbat. À l'aube du premier jour de la semaine. À l'aube du premier jour de la semaine. Marie de Magdala. Marie de Magdala. Et l'autre Marie. Et l'autre Marie. Allait voir le sépulcre. Allait voir le sépulcre. Parole du sépulcre. Amen. Jésus a été crucifié un vendredi. Il est mort un vendredi. Il est entré dans la tombe un vendredi. Un samedi, le dimanche, il est ressuscité. La Bible dit dimanche matin très tôt. Le premier jour de la semaine. Donc le premier jour de la semaine spirituellement c'est dimanche. C'est pourquoi Satan s'arrange à ce que le dimanche tu n'ailles pas au culte.
C'est pourquoi Satan s'arrange afin de te distraire. Parce que la semaine prend son essence dans le premier jour qui est le dimanche. Si tu rates le dimanche, tu rates beaucoup de choses. Et je vais arriver sur dimanche. Qu'est-ce qui signifie? Pourquoi c'est important le dimanche? Je viens dessus. Numéro 1, le lundi. Le mot lundi est en fait le nom d'un démon. Le nom lundi. Lundi, en fait, fait référence à Lunae Dies, qui parle de la déesse de la lune. Lundi veut dire déesse de la lune. Et on fait référence à un démon qui se nomme la déesse Diane. Alors, la déesse Diane, c'est qui? Elle est le démon qui permet de faire ce qu'on appelle la mutation, se transformer. Elle est le démon que, dans les temps anciens, les chasseurs allaient consulter afin de pouvoir prendre l'apparence de ce qu'on appelle des animaux. Vous allez voir que les grands chasseurs, pour nous qui sommes en Afrique, nous connaissons l'histoire. On nous parlera souvent des grands chasseurs qui ont la capacité de prendre une forme animale pour approcher notre animal. Parce qu'ils sont grands chasseurs, pas parce qu'ils savent bien tirer, mais parce qu'ils peuvent se rapprocher de l'animal pour ne pas louper leur cible. Mais pour qu'ils se rapprochent, il faut qu'ils deviennent eux-mêmes un animal. Alors on verra que la capacité des grands chasseurs, c'est d'avoir une force mystique et diabolique qui leur permet de devenir des animaux dans la forêt. Mais d'où tiennent-ils ce pouvoir? Ils tiennent ce pouvoir de la déesse Diane, un démon qui commande la sorcellerie. Elle est la déesse de la lune. C'est elle qui gère la lune. Et maintenant, puisque tu ne lis pas beaucoup ou tu ne cherches pas beaucoup, je vais t'expliquer des choses simples pour qu'on se comprenne. N'as-tu pas remarqué que même dans les films, les gens essaient de te parler sans que tu ne comprennes? On parle souvent dans les films du phénomène des loups-garous. Mais les loups-garous sont quoi? Des hommes capables de devenir des loups. Mais à quel moment ils se transforment? À la pleine lune. À quel moment on parle de la sorcellerie? Lorsque la lune est là, les sorciers ont de la puissance. Mais pourquoi le pouvoir de la sorcellerie est-elle liée à la lune? Parce que en vérité, la lune est sous le pouvoir d'un démon qu'on appelle la déesse Diane. Elle est la déesse de la sorcellerie, le démon de la sorcellerie. Ils se sont changés en hibou pour m'attaquer. Ils se sont changés en buff pour me poursuivre. Ils se sont changés. On parle de quoi? Transformer. On parle de quoi? Changer. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris un pouvoir quelque part. Lundi, en tant qu'un fils de Vincent Laurent, je ne dois pas prier comme tous les autres jours. Je peux prier pour beaucoup de cas. Je peux prier pour que Dieu me bénisse sur beaucoup de choses. Mais je dois fixer ma prière dans une prière de combat contre tout esprit de sorcellerie. Le lundi donne du pouvoir à la sorcellerie. Le lundi donne du pouvoir à la sorcellerie. Le lundi, l'esprit de sorcellerie bat son plein. Et pour celui qui remarque beaucoup, il verra ces choses que je prêche. Le lundi, tu peux prier contre tout. Tu peux prier pour tout. Mais n'oublie pas, soldat. N'oublie pas, soldat, de déclarer des choses contre la sorcellerie. Le démon qui garde la porte de lundi est un démon à visage de femme, appelé la déesse Diane. Et tous ceux qui font des transformations, tous ceux qui font des mutations, tous ceux qui se transforment, qui ont besoin d'un pouvoir pour se transformer en des animaux, pour aller attaquer des gens ou faire des choses, c'est pas elle. Elle aime le sang. C'est pourquoi c'est un démon qui se nourrit beaucoup de sang. Et c'est pourquoi ce lundi-là est un lundi où tu dois prier pour ta vie, prier pour la vie de tes enfants, prier pour la vie de tout ce qui t'entoure. Le lundi, tu dois le décréter contre la sorcellerie. Alléluia.
Ensuite, après le lundi, donc tu vois que le mot lundi, tu le dis chaque jour, je viens te voir lundi, ah, je rentre lundi, ah, je fais tant lundi. Mais il fallait ce message pour te dire que lundi n'est pas un simple mot. Lundi est le nom d'un démon. Les 7 jours là, c'est le nom des démons. Et c'est vérifié. Le mot, donc les ils ont fait que des abréviations et ils ont juste, lundi c'est Lunae Dies. Lundi. La déesse de la lune, lundi. Donc tu verras dans lundi lune et le Dies, la déesse de la lune. Mardi fait référence à un démon qu'on appelle de façon populaire le démon qu'on appelle Mars. Donc tu verras que mardi, quand tu le découvres, vient du mot Mars. Mars, mardi, vient de Mars, qui est le démon de la guerre. Vous voyez, les choses spirituellement ne sont pas mélangées. Hein. Ça se déroule, mais ça suit une logique spirituelle et diabolique. Lorsqu'on veut briser, oh, regarde, pour ceux qui allaient avant chez les féticheurs, la plupart du temps, quand il veut te parler, tu remarques quelque chose qu'il te dit, mais que tu ne comprends pas. Il dit, je vais parler à mes esprits. Il dit, jamais je vais parler à mon esprit. Ou bien, il dit, je vais parler à mes génies. Parce qu'il n'y a pas un seul. Mardi, c'est le mot Mars, la guerre. Le démon utilisé pour séparer des foyers. Le démon utilisé pour mettre une mésentente entre des gens qui s'entendent, on veut les diviser. Ils vont, ils entendent, ils font les incantations, des libations, ils attirent Mars. Qu'ils viennent mettre la guerre dans un pays, la guerre partout. Quand vous entendez le bruit de guerre, vous devez prier contre l'esprit de Mars. Le démon de la guerre. Lorsqu'il arrive dans un endroit, les frères peuvent commencer à se haïr. Lorsqu'il arrive dans un endroit, les sœurs peuvent commencer à ne plus se parler pendant 15 ans, pendant 20 ans. Lorsqu'il arrive dans un endroit, une famille qui s'entendait n'est plus soudée. Lorsqu'il arrive, il apporte la désolation. Mardi est gouverné par un démon de Satan qu'on appelle le démon Mars. D'où vient le nom Mardi? Mars. Mars, le dieu de la guerre. Fouillez dans l'écriture, fouillez dans l'histoire. Vous verrez que les plus grandes guerres de ce monde ont éclaté des mardis. Je ne parle pas pour parler, fouillez. Fouillez. Parce que mardi donne une force à la guerre. Je déclare ce soir que toute puissance qui est allée chercher ton âme à partir de la déesse Diane, de ce démon-là, pour pouvoir attaquer ta vie, changer en corbeau, changer en hibou, changer en panthère, changer en quoi que ce soit dans ton songe pour t'oppresser. Ah, je déclare que le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom, se lève pour pouvoir te défendre. Je déclare que tout démon qui a été envoyé par Mars pour séparer ton foyer, pour te séparer de tes frères, pour mélanger entre toi et ta meilleure amie, oh Jésus, qu'il descende ce soir pour chasser cet esprit. Le mardi, quand tu dois prier, tu dois beaucoup prier contre l'esprit de colère, parce que c'est là que ça naît. Il y a des personnes qui peuvent se réveiller le mardi et sentir qu'ils ne sont pas heureux. On te prédispose déjà dans quelque chose. Mercredi vient du mot Mercure. Mercredi vient du mot Mercure. Et Mercure signifie le dieu ou du moins le démon de l'argent. Mercure. On ne peut jamais faire de l'argent sans ça. Mercure gère tout ce qui est finance. On veut gâter tes finances. On veut anéantir tes finances. On veut provoquer une disette dans ta vie. On veut emmener ta vie à être une vie de mendicité. C'est Mercure qui se lèvera contre toi. Chaque jour a un démon. Et le nom des jours a un démon.
Samedi. Samedi est le démon d'un esprit de mort. Le baron de samedi. Je ne pourrai pas aller plus loin ce soir. Mais cherche à avoir ce livre à Devançon l'Aurore Europe en novembre. Où j'explique tout le contenu. Où j'explique chaque jour et sa représentation diabolique. Où j'explique que Satan a piégé ce monde en donnant, en marquant. Puisque la Bible dit que c'est fait pour marquer les jours. Donc ils ont marqué les jours avec le nom des démons. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, nous fonctionnons avec ce calendrier. Nous fonctionnons avec ces choses. Mais c'est des démons qui sont là et qui veillent sur ces portes.